Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vous propose ce gâteau, mais alors qui est très très original. Vous allez vraiment aimer la recette. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour cette recette, c'est vraiment super facile. Hein. Il va nous falloir, c'est pour la base donc, du gâteau, il va nous falloir 400 g de pain. Donc du pain d'hier ou d'avant-hier. Il va vous falloir du lait tiède, donc 1 demi-litre. Donc là j'ai 500 ml. Il va nous falloir également 4 cuillères à soupe de sucre. Après c'est à vous de voir, moi je mets 4 cuillères à soupe, vous pouvez mettre 5 ou 6 si vous voulez. Mais 4 cuillères à soupe, ça ne sera pas trop sucré, c'est exactement ce qu'il va nous falloir. On mettra aussi un peu de sel, donc une pincée de sel. 4 œufs entiers ici, 4 œufs entiers et une cuillère à café de café, non, une cuillère à soupe, pardon, de café soluble, ok? On a fait le tour et c'est tout. Hein. Le beurre, je n'ai pas besoin. Le beurre, c'est pour beurrer le moule tout à l'heure. Ok, donc là, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a du lait, mais tiède. Tiède, voire chaud. Hein. Je l'ai mis à chauffer. On met tout de suite le café. Je mets le sucre avec. On mélange, ça sent super bon là. Et ensuite, très simple. Ensuite, je récupère ici le pain. Et la planche, et je viens couper le pain en petits cubes. Ok? Allez, je coupe le pain comme ça en petits cubes. Et on se retrouve donc juste après. Alors ici, on a des œufs, hein, d'accord? Donc les œufs, 4 œufs, je viens les battre rapidement. Vous allez voir, c'est super facile. Hein. C'est encore une originalité. Une fois que c'est battu comme ça, on va venir verser le lait, le café au lait, sur le lait, mais tout doucement, d'accord? On le verse doucement et on mélange. Surtout, on ne s'arrête pas, d'accord? Alors, je vous rappelle qu'il y a déjà le sucre et le café dedans. Hein. Allez, maintenant je vais mettre le pain. On récupère le pain. On essaie de tout mettre dedans. Hop là. Waouh. Alors quand c'est fait, je mets de la fourchette pour imbiber justement ce pain. Alors cette préparation, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain, vous la laissez au frigo et puis le lendemain vous finissez votre recette. Hein. Donc à côté de ça, pensez à récupérer un moule, n'importe quel moule que vous avez, mais beurrez-le, c'est important. Allez, je vais laisser donc tranquillou le pain absorber, ok? Alors surtout attendez bien que ça ramollisse comme ça. Moi j'ai attendu 30 minutes, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous conseille toujours de le faire la veille pour le lendemain. Si vous le mettez aussitôt dans le moule, si vous attendez pas que ça absorbe donc le lait, ce qui va se passer, c'est que dans le moule, au fond, vous allez avoir du lait. Et dessus, ça ne sera pas cuit, vous allez avoir quelque chose de pas terrible, d'accord? Donc attendez comme ceci que ça absorbe comme il faut, ça c'est très important. Une fois que c'est fait, on récupère ici le moule. Donc celui-ci, il fait 26 cm. Hein. Alors si vous n'avez pas ce moule-là, pas de problème, prenez ce que vous avez comme moule, hein, ça marchera aussi. Hein. Seulement, mettez juste un papier cuisson au fond pour être sûr de bien le démouler. Alors, on est encore dans un esprit économe, hein, d'accord? Donc là, regardez, je vais sur le fond, petit à petit. Pourquoi? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air, en fait. Hein. Quand vous voyez des gros morceaux de pain comme ça, retirez-les et mettez plutôt des petits morceaux de pain. Pour être sûr qu'ils s'engouffrent comme il faut dans le fond. Alors, vous mettez bien ça sur une plaque, d'accord? Et je pense qu'on va cuire ça pendant environ 15-20 minutes à 170 degrés. Hein. À tout de suite. Allez, ça a mis environ 20 minutes à 170 degrés, hein, d'accord? Hop là, je débarrasse ça sur une grille. Ça sent très très bon. Hein. Alors, dans cette recette, normalement, j'avais voulu mettre un petit peu de beurre dedans. Ça sert à rien parce qu'on va rapporter que du gras et des calories, donc on évite le beurre. Maintenant, si vous voulez en mettre, pour plus de saveur, il n'y a pas de problème. Mais on mettra tout à l'heure une petite garniture dessus. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de mettre du beurre, ok? Donc, je suis en train de voir si je ne le démoule pas à chaud. Je pense que je vais le démouler à chaud parce que là, il m'a l'air de bien vouloir se démouler, ok? Alors, on va utiliser la tactique du tic-tac, donc la grille. La grille, c'est chaud, je l'ai vidé, hop là, je démoule ça rapidement. Toujours le papier que j'ai déjà utilisé, hein, pas de gaspillage chez Rabinou. Donc là, j'ai démoulé à chaud, pourquoi? Parce que j'ai peur que ça refroidisse et puis que ça reste collé. Donc là je teste, hein, je force pas. Regardez, là, je vois que ça commence à bien se démouler. Allez. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, ça va tiédir un petit peu. C'est très très chaud, hein, d'accord? Vous avez vu, hein, c'est magnifique. Après, vous pouvez mettre que de la vanille, pas mettre de café. Hein. Le café, je l'ai mis parce que bon, je voulais changer un petit peu la saveur de mes desserts. Hein.
toujours chocolat, vanille, je voulais changer un petit peu. Après, vous pouvez mettre du cacao en poudre si vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez. Ok? Donc là, pour l'instant, on laisse complètement refroidir. Allez, je récupère donc le gâteau. Hop là, avec tendresse et délicatesse. Je mets sur une assiette, comme ceci. Vous voyez, c'est un gâteau qui se tient plutôt bien. Ici, j'ai des fraises. Alors, prenez les fraises que vous avez. On va essayer de récupérer les mêmes tailles. Les mêmes tailles de fraises. Ouais, allez, on va prendre ça. Et je vais les couper en rondelles pour les disposer dedans. Alors là, j'ai des fraises, mais si vous avez des bananes, ça marche aussi. Hein. Donc là, le but, c'est de mettre comme ceci des fraises. Donc, je vais couper des rondelles. Ok. Quand vous avez des chutes comme ça, là, des petites chutes, ben, vous les mangez ou vous les passez pour autre chose. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors les fraises, vous les coupez très finement, hein, d'accord? Parce que si vous les coupez épais, vous n'aurez pas la place pour mettre le chocolat tout à l'heure. Donc très simple. Ici, j'ai alors 200 g de chocolat noir que j'ai coupé en petits cubes. Ici, j'ai récupéré le beurre qui m'avait servi tout à l'heure pour beurrer le moule, d'accord? Que j'ai mis dedans, hein, pas de gaspillage avec Rabinou, ok? Vous connaissez la chanson maintenant? Oh, quel crevard! Et vous rajoutez une grosse cuillère à soupe de beurre, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de beurre là, vous voyez? Donc ça, on va le mettre tout à l'heure à chauffer. Pour l'instant, on va s'attaquer donc à la crème liquide entière. Donc crème liquide entière, pour réussir votre chantilly, il faut absolument que la crème elle soit à minimum 30% de matière grasse. Vous ne pouvez pas réaliser donc cette mousse si votre crème est légère. Après, ça peut marcher pour avoir un beau gâteau final, mais vous n'aurez pas une crème qui va monter en fait. Si vous mélangez juste la crème liquide à 18% par exemple de matière grasse avec le chocolat et le beurre, ça va vous faire une sorte de ganache. Mais en aucun cas, ça va vous faire une sorte de mousse. Ok ? Allez, on va battre ça pour épaissir. Allez, c'est parti. Donc le cul de poule bien froid, la crème liquide bien froide, ok ? Et ça devrait monter rapidement au bout d'une minute à deux minutes, ok ? Vous voyez, quand c'est bien froid, au bout d'une minute, ça monte. Pas plus que ça, hein. C'est pas la peine d'aller faire du beurre. Donc là, juste monter comme ceci, hein. Regardez, ça tient. C'est suffisant pour nous. Allez, on met ça de côté pour l'instant. Et là, j'amène le chocolat. Alors, soit vous le mettez au bain-marie, soit au micro-ondes. Moi, je le mets au micro-ondes parce que j'ai du beurre. Si j'ai que du chocolat noir, dans ce cas-là, je le mettrai au bain-marie. Allez, 30 secondes ou 40 secondes, il faudra surveiller. Donc, toutes les 20 secondes, vous venez mélanger comme ça. Et comme ça, vous n'allez pas rater votre chocolat, ok ? Allez, à tout de suite. Alors ici, on voit bien que le chocolat donc, a fondu. Hein. Bon, il reste quelques morceaux. Hein. Faites attention de ne pas le cramer au micro-ondes. Hein. Je vais quand même le remettre quelques secondes pour être sûr que tout soit bien fondu, pour avoir quelque chose de bien lisse, hein. Ok ? À tout de suite. Donc là, je pense que ça va être bon. Alors, ce qu'il faut faire, quand vous l'avez sorti du micro-ondes, tout de suite, vous le versez sur le côté comme ceci. Donc avec votre... dans votre crème, pour aller assez rapidement, parce que sinon, avec le choc thermique, le chocolat, il peut figer. Hein. Alors, soit vous prenez un fouet, ou soit vous prenez comme moi, là, la Maryse. C'est vous qui voyez. Le fouet, ça peut marcher aussi. Hein. Et là, donc, on passe en dessous, on soulève. Alors, souvent, il y en a qui me disent, ouais, je rate ma crème chantilly. Si vous avez le cul de poule qui est humide, c'est-à-dire s'il y a de l'eau qui reste au fond en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire si vous avez lavé donc votre saladier qui reste un peu d'eau et qu'il est en contact avec la crème liquide, c'est sûr que vous aurez peut-être des problèmes. Et c'est pareil pour le chocolat, il ne faut pas que votre bol soit humide, hein. S'il est humide, le chocolat et l'eau, des fois ça fait pas bon ménage. Donc voilà, ce sont des petits paramètres qu'il faut voilà, tenir compte pour éviter justement de rater ces recettes. C'est pareil quand vous faites un gâteau, essayez d'avoir les éléments tous à la même température. Par exemple, les œufs, bah, s'ils sont au frigo, vous les sortez un petit peu en avance. Et ok. Bon, voilà. On a fait notre mousse au chocolat. Ici, on va pouvoir la verser directement donc, sur nos fraises. Alors, fraises ou bananes, hein, les amis. Hein. Prenez ce que vous avez. Là, c'est une recette originale. J'espère que vous allez me mettre des pouces bleus pour cette recette. Je kiffe les pouces bleus, les amis. Hein. J'adore les pouces bleus, donc n'hésitez pas à nous faire plaisir avec vos pouces bleus. Ça nous encourage et ça permet à YouTube de bien nous référencer. Au moment où je vous parle, je vais faire un live tout à l'heure. Bon, peut-être que quand je vais publier cette vidéo, le live sera passé. Mais franchement, n'hésitez pas à me dire hein, de ce que vous voulez que je réalise dans les lives en recette. Bon là, maintenant, je me calme, je me concentre et je vais venir comme ceci, donc étaler ma mousse. Alors, on y va tout doucement pour éviter les bulles d'air. Donc là, voilà, on aplatit et progressivement, on se rapproche des bordures. On va un peu dépasser, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, la mousse, elle est nickel. Hein. Alors, vous avez vu, il n'y a pas d'œuf dedans. J'ai fait exprès, justement, de ne pas mettre d'œuf dedans.
Parce que je sais que il y en a, ils sont surpris quand ils voient des œufs dans la mousse au chocolat. Ils disent, ah, l'œuf il est cru, il n'est pas cuit. Dans une mousse au chocolat, généralement, il y a des œufs. Bon, après, on peut toujours tricher et ne pas en mettre. Mais soyez pas surpris si vous voyez des mousses au chocolat, justement avec Alors des là, vous œufs. voyez, j'ai un reste de chocolat. Bravo, Rabinou! Allez, je récupère la Maryse et je mets ça dans une poche pour l'instant. Je vais voir ce que je vais faire comme décoration. Voilà, j'aime bien vous montrer qu'il en reste. J'ai pas envie de vous faire croire que. Ouais, je t'en mets plus le poil, j'ai juste assez. Non, 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 non. On utilise les restes avec Rabinou, ok? Allez. Allez, je récupère ici ma petite corne. Je rapproche comme ceci le chocolat en évitant les bulles d'air. Et je vais faire une petite décoration. Décoration que vous voulez, la famille. Hein. Je vais essayer de faire un truc, je vais voir si ça marche. Hop là. Ouais. C'est pas demain que je vais devenir un grand pâtissier. Hein. Bon, j'ai réussi à faire ça. Hein. Je sais pas si c'est bien ou pas, on va voir. Hein. Ici, j'ai du chocolat, donc chocolat à 85% de cacao. On va essayer de faire une décoration, je vais voir. Je sais pas trop où je vais là, les amis. Hein. J'espère ne pas trop m'égarer. Alors, on va essayer de découper déjà. Voilà, je vais essayer de voir si je peux les recouper en deux, si c'est jouable ou pas. Ça peut être intéressant hein, si jamais c'est jouable. Ah, ça se craque. Ouais, ça craque. Ok, bon, mais c'est pas grave. Ça craque. Je vais essayer de trouver une solution. On va peut-être mettre des éclats comme ça de chocolat. On va voir. Je crois que je vais mettre des éclats de chocolat. Je vais mettre des éclats de chocolat. Ok. Hop. Ok. Alors, on va venir en planter un petit peu partout là, on va voir. On va essayer de faire ça. Je sais pas si c'est joli ou pas. Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Là, c'est surtout pour cacher la misère parce que les boules, je les ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire les boules. Allez. On va essayer de recouper en triangle. Voilà, il y a toujours un qui est réussi et l'autre qui n'est pas réussi, hein, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. De toute façon, ce gâteau, ça va partir pour la voisine, encore une fois. Parce que nous, on fait attention, on est un petit peu au régime. Et on fait attention à notre ligne. Waouh, ça a marché. Pour une fois, ça a marché, les amis. Alors, les amis, il faut pas le dire, Rabinette vient de cueillir des cerises du jardin, les premières cerises. En fait, on en avait plus que ça, mais le problème, c'est qu'on a des pies, elles se sont servies, elles nous ont bousillé un petit peu les cerises. Donc, moi, je vais les récupérer pour faire une petite décoration. Alors, c'est vrai qu'on pourrait prendre de la fraise, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je pense que voilà, je vais récupérer ça pour décorer. Je vais mettre ça au milieu, je sais pas si ça va être joli. Hein. Waouh! C'est un truc de dingue. Vous voyez? Waouh, waouh, waouh. Alors si vous aimez, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vais amener ça directement au frigo et je pense que je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur. Donc là le gâteau il a bien refroidi. Alors je ne sais plus si j'ai mis le sel ou pas dedans, mais pensez à mettre le sel, hein, d'accord? C'est important dans la recette. Alors au niveau du pain, on peut toujours mettre du beurre. Je sais que je me répète à chaque fois, mais bon, vous voyez si vous voulez mettre du beurre ou pas. Ok, donc là on va se couper une part. Alors bismillah, j'ai chauffé le couteau, hein. Ça descend tout seul, c'est incroyable. Allez, on va essuyer le couteau rapidement. Je suis là, la famille. Hein. On va avoir quelque chose de bien propre. Alors, on va couper ici. Non, le chocolat il bloque. Voilà. On va essayer de ne pas l'abîmer. Alors, est-ce qu'on fait le 1, 2, 3 et les beaux les amis? Allez, on y va. 1, 2, 3. Je vais vous montrer ça. Ce qu'on peut faire avec des restes, c'est dingue. Regardez-moi ça. Les bourkawa! C'est un truc de ouf. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça là. Là, c'est bien moelleux. On a la bonne mousse au chocolat. Donc sans œufs, hein, vous avez vu. Hein. Regardez-moi ça, c'est dingue. Je vous montre l'intérieur. Vous avez vu comment c'est beau. Hein, c'est voilà. Juste avec du pain, un petit peu de mousse au chocolat et on fait des merveilles. Donc ça, c'est un gâteau que vous allez pouvoir faire pour un anniversaire. Hein, ça marche. Hein. Donc, si vous êtes content de la recette, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, ça m'aide et ça m'encourage énormément. En même temps, partagez la vidéo. Vous voyez les morceaux de fraises en dessous là. Ça, c'est très très gourmand ça. Bon, la famille, partagez la vidéo. Je vous kiffe de ouf. Je vous retrouve demain matin à 9h. Je vous aime. Bise. Bye bye.